بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدم نفسي أولا، نور الدين حالي، مبرز في مادة الترجمة فوج 2019، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة في مركز الأقسام التحضيرية عبد الكريم الخطابي بمدينة الناظور. بادئ ذي بدء، أود أن أقدم خالص تشكراتي وعرفاني لإدارة مركز الأقسام التحضيرية عبد الكريم الخطابي، إذ تفضلت مشكورة بتنظيم هذا اللقاء التواصلي الحضوري رغم الظروف الصعبة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19. أشكر هذه المؤسسة في شخص مديرها السيد مصطفى خرخاش، وفي شخص مدير الدراسات السيد عبد الحفيظ أوراغ، وفي شخص جميع الطاقم الإداري المحترم. ولا يفوتني كذلك أن أشكر بالغ الشكر الحضور الكريم السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة الأجلاء الذين تحدوا الوباء وجاءوا للمساهمة البناءة في تأثيث فضاء هذا اللقاء التواصلي. Passons maintenant à notre présentation, à notre intervention. L'intervention a pour titre du PowerPoint au QR code, processus pour rendre les contenus à la portée de nos apprenants. Cette présentation est animée par Nordine Hali, enseignant de culture arabe et de traduction, CPGE Abd Karim Khattabi, Nador. Elle se situe dans le cadre de la rencontre organisée par la direction du CPGE, Abd Karim Khattabi Nador, le 16-10-2020 à partir de 17h. Cette intervention a un seul objectif. C'est essentiellement pratique. Se familiariser avec une démarche pour élaborer une vidéo interactive directement accessible aux étudiants via un code QR. Pour le plan de l'intervention, on va traiter dans cette intervention 5 points. Le premier point, préparation du contenu dynamique en PTT, c'est-à-dire en PowerPoint. Deuxième point, transformation du PowerPoint en vidéo. Troisième point, réalisation du feedback interactif. Je veux dire ici, réalisation d'un quiz pour vérifier la compréhension d'une vidéo, ou bien de la vidéo. Quatrième point, une fois la vidéo élaborée, mise en ligne de la vidéo. Et le cinquième et dernier point, c'est la génération du code QR et l'accès à la vidéo. On va voir dans ce point comment générer un code QR et comment accéder à la vidéo élaborée. Commençons par le premier point. Afin de préparer un contenu dynamique, leçon par exemple, on peut utiliser PowerPoint, PPT. Généralement, on prépare un PPT en procédant au transfert des données dans les diapositives à partir d'un document Word ou tout autre document préparé à l'avance. Ensuite, il faut dynamiser les diapositives en se rapportant à l'onglet Animation.
c'est l'onglet animation dans l'interface de PowerPoint. Afin de préparer un contenu dynamique, leçon par exemple, on peut utiliser PowerPoint. Généralement, on prépare un PPT en procédant au transfert de données dans les diapositives à partir d'un document Word ou tout autre document préparé à l'avance. Ensuite, il faut dynamiser les diapositives en se rapportant à l'onglet animation. De nombreux effets ainsi que d'autres réglages sont accessibles dans le volet animation. Transformation du PPT en vidéo. Votre PowerPoint est dynamique. Reste de le transformer en vidéo interactive. Pour cela, vous avez besoin d'un logiciel à même de capturer les diapositives de votre PPT, capture d'écran, d'enregistrer votre voix et, si nécessaire, de vous présenter en personne dans un coin de l'écran si vous possédez une caméra intégrée. Dans ce cas, il nous faut un logiciel à la fois pour montage vidéo et il doit faire les captures d'écran. Personnellement, j'utilise Camtasia Studio car je trouve son interface agréable, intuitif et simple. En outre, il est l'un des logiciels de montage vidéo le plus complet. Voilà ici l'interface de manière générale. Il y a un volet très important, celui de l'enregistrement de l'écran. Donc il enregistre ce qui se passe dans l'écran. Ici, dans ce volet-là, on peut importer des médias tels que une autre vidéo, ou bien une image, ou bien un son, etc. Ici, il y a donc c'est le volet dans lequel on fait l'enregistrement de notre vidéo à la fin de notre travail. Là également, il y a des boutons comme vous voyez. Il y a des boutons pour le curseur, les transitions, l'audio, le zoom in, etc. Bien entendu, il n'est pas question dans cette présentation de connaître les détails de ce logiciel, car vous pouvez le découvrir vous-même en pratiquant. Mais il est question de se familiariser avec les deux fonctionnalités nécessaires pour parvenir à l'élaboration d'une vidéo interactive. Ces deux fonctionnalités sont la capture d'écran et réalisation d'un feedback intégré dans la vidéo. L'utilitaire de capture d'écran. Vous le voyez ici, c'est un utilitaire très simple. Il est intégré dans Camtasia Studio. Le premier bouton nous permet d'enregistrer tout l'écran. Le deuxième bouton nous permet d'enregistrer une partie de l'écran, comme c'est notre cas. Ici, on a un bouton pour activer ou désactiver la caméra. Bien sûr, c'est si on possède dans notre PC une caméra intégrée. Ensuite, c'est le bouton de l'audio. Ça veut dire on peut activer ou désactiver l'audio. Et finalement, c'est le bouton d'enregistrement. Pour enregistrer, eh bien on clique sur ce bouton et on commence notre enregistrement.
Application, capture d'une diapositive PPT. D'abord, on doit ouvrir le PPT en mode diaporama. C'est en quelque sorte comme le mode plein écran. Donc, on règle la partie de l'écran à capturer dans Camtasia. On lance l'enregistrement et on fait les commentaires en audio. On enregistre la vidéo. Eh bien, la vidéo s'intègre automatiquement dans les pistes vidéo. Track, donc les tracks. Maintenant, on va passer à la réalisation du feedback interactif. Application, réalisation d'un feedback dans Camtasia Studio. Déjà, une vidéo a été enregistrée ou importée comme média. Elle est en place dans les pistes, track. On active l'onglet cuisine. Je ne sais pas si la prononciation de cuisine, c'est juste, mais... Voilà. Donc, la vidéo, elle est insérée, comme vous voyez. Eh bien, on va ici, on déroule cette flèche-là et on voit Cuisine. On clique sur Cuisine et on clique sur Ajouter un questionnaire. On nomme le questionnaire, puis on ajoute les questions une à une en cliquant sur « Ajouter une question » et en précisant le type de questionnaire. À choix multiple, vrai, faux, etc. Il y en a au moins cinq possibilités de type de questionnaire. On glisse le questionnaire vers la fin de la vidéo car le quiz devrait être placé généralement à la fin de la vidéo, parce qu'il joue le rôle d'évaluation de la vidéo. Enregistrement de la vidéo. On enregistre la vidéo dans le format préféré, par exemple MP4 720 with Smart Player, en déroulant le menu Produce and Share. Voilà, donc comme vous voyez, il y en a de nombreux formats qui sont possibles, mais on choisit le format le plus convenable, c'est celui de MP4 with Smart Player, la qualité 720, parce que si on prend la qualité 1080, c'est une qualité excellente, mais la vidéo va prendre beaucoup de place, beaucoup d'espace disque. Et en ce moment-là, on va trouver des problèmes pour la mettre, par exemple, en ligne, etc., comme on va voir. Donc, c'est mieux de choisir une qualité qui est entre la normale et la puissante, ou bien l'excellente. Voilà. La vidéo élaborée peut être mise en ligne dans votre propre chaîne YouTube, par exemple. Donc, c'est-à-dire, nous sommes maintenant dans le 4 points, mise en ligne de la vidéo. On entre dans YouTube et on clique sur le bouton « Ajouter une vidéo ». Moi, j'ai déjà ici des vidéos, comme vous voyez. Donc, on ajoute la vidéo simplement en cliquant sur le bouton et ensuite en cliquant sur « Mettre en ligne une vidéo ». Donc, une fois la vidéo mise en ligne, vous copiez le lien de la vidéo. Exemple,
le lien que vous avez ici. Il s'agit de la vidéo, cette vidéo-là, que j'ai essayé d'élaborer moi-même. Et voilà, on clique sur « Copier le lien ». Et bien sûr, ça vient maintenant la dernière phase de mon exposé. Génération du code de QR et accès à la vidéo. Tout d'abord, on doit se poser la question, c'est quoi un QR code? Ou bien un code QR? Le code QR en anglais, QR code, Quick Response Code, est un code en deux dimensions, ou code matriciel, constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit l'information que contient le code. QR signifie que le contenu du code peut être décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code barre, un téléphone mobile ou un smartphone. Quel est l'avantage du QR code ou bien du code QR? Son avantage est de pouvoir stocker des données directement reconnues par des applications permettant ainsi de déclencher facilement des actions comme naviguer vers un site web, visiter un site web ou mettre l'adresse d'un site web en marque page, regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia, déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS, envoyer un courriel, etc. Donc ce QR code, il a été publié pour la première fois au Japon en 1999. Le code QR fait l'objet d'une normalisation ISO 18004. Maintenant, on arrive à la question principale de cette présentation. Comment générer un QR code? On génère un QR code directement en ligne dans certains sites ou de la manière suivante. Donc, n'oubliez pas qu'on a copié le lien de la vidéo élaborée. On colle le lien copié précédemment de la manière suivante. Dans ce petit logiciel. Voilà le lien, il est copié ici. Et ensuite, pour générer, il suffit tout simplement de cliquer sur générer le QR code. Et voilà, notre QR code est prêt. On peut le copier et le coller sur la feuille qu'on donne aux élèves en présentiel. Donc, mais comment les élèves vont-ils accéder à ce QR code? Tout simplement, ils vont scanner le QR code pour accéder à la vidéo. Moi, j'ai scanné le QR code. Bien sûr, pour scanner le QR code, vous devez tout d'abord installer un utilitaire ou bien un logiciel sur votre téléphone portable qui est nommé Scanner QR Code. C'est un petit logiciel qu'on trouve dans Play Store. Il est gratuit. On le télécharge et ensuite on scanne notre QR code et on clique sur Ouvrir le lien. Et bien sûr, une fois on clique sur ce ouvrir le lien, on va accéder directement et rapidement à la vidéo élaborée précédemment. Et maintenant, passons au quiz, évaluation de la vidéo. Il faut se rendre à quel menu du logiciel PowerPoint pour dynamiser une diapositive. Choisissez la bonne réponse. Comment procède-t-on pour transformer un PPT en vidéo? Choisissez également la bonne réponse. Le code QR est un code informatique.
bidimensionnelle, unidimensionnelle, tridimensionnelle ou comme un code barre? Choisissez la bonne réponse. Le code QR facilite l'accès à un lien hypertexte. Vrai ou faux? Choisissez la bonne réponse. Le code QR fonctionne hors réseau. Est-ce c'est vrai ou c'est faux? Choisissez la bonne réponse. Quel logiciel installer dans son téléphone Android pour scanner un QR code? Camtasia Studio, Scanner QR code, Scanner code barre, PPT. Et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.